Son pseudonyme provient de l'agrégation de son propre prénom avec celui de sa mère, Liz, disparue très jeune. Il fait partie des seconds rôles que le public francophone aime particulièrement. La pointe d'ail qui donne du goût au gigot. Rému, il est aussi un homme de théâtre en apparaissant notamment dans La Bonne Planque de Michel André. Sa filmographie comprend plus de 144 apparitions au cinéma ou à la télévision, sans compter les pièces de théâtre qu'il a jouées. Il est également une voix récurrente et familière dans le domaine du doublage de dessins animés. Les Quatre Amis, Les Aventures de Tintin, Le Secret des Sélénites. Il avait aussi créé un sketch de Camelot vendant de la Colofix. Robert Rollis fut l'un des membres de la troupe des Branquignoles, de Robert Derry et Colette Brosset. Il est l'un des interprètes fétiches des films de Robert Lamoureux. Il meurt d'un cancer généralisé foudroyant. Il est enterré au cimetière de Montmartre, 25e division.